nous allons vous parler d'un livre qui s'appelle Boys Don't Cry de Mallory Blackman, l'auteur de Entre chien et loup, une trilogie. Donc cette histoire, ça raconte un garçon de 17 ans qui se retrouve avec un bébé seul et qui va devoir s'en occuper, et il est vraiment super. Il a seulement 19 ans. Et il a que 19 ans, donc c'est un peu dur pour lui, surtout qu'il prévoyait beaucoup d'études et il va pas pouvoir aller à l'université. Il y a aussi son frère Adam. Et il a un frère Adam homosexuel qui a quelques problèmes qui est marrant. Moi j'ai vraiment aimé ce livre, je l'ai trouvé très émouvant. Il est très réaliste aussi. C'est ce que j'aime beaucoup dans les romans de Mallory Blackman. Elle nous apprend toujours quelque chose. Et forcément, même si lui il va se retrouver avec cet enfant sur les bras dont il ne veut pas, il va être forcé de s'en occuper et puis il va devenir père au fur et à mesure du livre. J'ai vraiment adoré, il est juste génial. Et toi? Moi j'ai aimé parce que c'est une histoire dure qui traite d'un sujet un peu triste, difficile et mais pourtant il y a toujours de l'humour et c'est vraiment, enfin c'est super bien écrit et il y a de l'espoir et puis c'est attachant. Tous les personnages dès le début ils sont super attachants, le père, le frère, la petite fille surtout, qui est tout petit bébé. En tout cas, il est à lire. À lire.